actuelle, on espère, voir suivi de plein d'autres. Alors parmi les remerciements que je vais adresser, je vais d'abord remercier l'association de gestion forestière, pilotée par M. Claude Richard, conseiller municipal, association qu'on a mis en place il y a bientôt 5 ans maintenant, et qui paraît être conduite par son président, commence à avoir des répercussions importantes sur l'achat des terrains forestiers. On replante, ils ont réalisé l'essentiel. Donc on est dans la droite ligne de l'acquisition du développement durable en matière forestière. L'association, évidemment, Louis Lionnet, avec son président, a beaucoup travaillé, je les salue et les remercie. Concours essentiel à la fois sur le plan matériel, sur le plan humain, parce que les chemins, il a fallu les ouvrir, les mettre en forme, y compris ils ont fourni une passerelle, c'est pas mal, hein, c'est même beaucoup. La deuxième passerelle qu'on a pas pu voir, mais vous aurez l'occasion de découvrir, a été fournie par l'association forestière et la commune, avec quelques difficultés de pose. L'engin qui devait la poser s'est entendourbé soir le conseil municipal. On l'a vu donc arriver, Claude Richard, tout est sûr, il y avait de la boue partout, mais le camion est planté. On a essayé de planter le camion, ils sont allés sortir le lendemain. Je vous dis, ça n'a pas été une mince affaire. Donc merci à eux. Je voudrais aussi remercier les services techniques de la commune, qui sont là, deux ou trois, et à la fois au point de vue communal, mais aussi à la fois au point de vue personnel, se sont impliqués dans cette affaire. Donc vous voyez que c'est vraiment une œuvre collective. Je remercie aussi mes collègues du conseil municipal parce qu'ils sont impliqués dans le projet, à la fois par leur vote de concours financier, puis aussi à la fois physiquement pour certains. Les entreprises, bien évidemment, en plus libérées, c'est classique. Il y a eu la Croix pour le broyage, et puis PLM pour la pose du pont, comme on dit, la pose de travers. Conditions d'exécution difficiles, de la pluie, du froid, faire ça les jours fériés, qui sont trois au départ, sous les cornes de l'ascension, mauvais temps, de la boue, mais vous voyez le résultat quand même est assez exceptionnel, pour ne pas dire remarquable. Voilà, ils ont été handicapés, on l'a vu aussi, par le savoir-vivre d'un certain nombre de nos concitoyens, qui en une nuit sont venus piquer un parc-coupe et qui attendaient le lendemain pour être rétalés. Alors, il se dit qu'il y avait des copains un jour quelque part, a fait un champion, on va se faire. Qui sont venus, j'ai dit plusieurs communes. Non, la chapelière n'était pas la Reine, non, c'est pas la Reine. On les colorera l'année prochaine. Un grand merci à tous, merci d'être là. Merci pour ce que vous avez fait, puis merci d'avance pour ce que vous allez continuer à faire, parce qu'on va pas s'arrêter là. Et puis je voudrais aussi remercier le patron de la pastourale qui nous accueille gentiment. Qui m'a-t-il dit dans le secret d'un couloir, ça qui était membre de Louis Lionnet, et qui, ou bientôt futur, et qui a la gentillesse de prendre en charge une partie du budget qui va vous être servi. Merci. Si c'est pas un pays de la commune, ça fait pas ce que c'est fait. C'est pas marqué qu'il y a une jacques. Bien, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon moment ensemble. Gaston, quelques mots, et puis Claude, après, pour les données techniques, sera à votre disposition pour vous raconter tout ce qu'il a piloté dans le cadre de cette affaire qui devrait, comme l'association de gestion forestière, commencer à devenir un peu un modèle de ce qu'on peut faire en développement durable forestier. Merci à tous. Merci. Moi, je vais faire trois phrases. Hein. Parce que je suis toujours gêné dans ces moments-là, parce que quand les gens ont beaucoup bossé, même dans des conditions difficiles, et puis nous, on arrive tout beau, tout propre, et puis on fait un joli discours, et puis c'est eux qui ont travaillé, donc c'est toujours un peu gênant, mais je tiens à faire deux mots quand même pour manifester le respect que j'ai pour tout ce que vous avez fait. Je les ai fait mardi soir avec Armand, une déchirie ouvrière. On avait fait des bacounis aussi. J'aimerais être plus souvent là, mais on a tellement, même les week-ends, on est tellement mangé par les emplois du temps, qu'on ne peut pas tout faire. Mais ce qui est essentiel, on en discutait tout à l'heure, c'est de continuer à faire des ponts. Moi, j'aime bien les ponts parce qu'aujourd'hui, les gens, ils savent surtout faire des murs, mais moins de ponts. Alors, quand on fait des ponts pour relier les gens, et puis
qu'il y a un autre maire ici, chaque fois qu'on est en réunion d'intercommunalité, chacun dit moi, moi, moi. Et puis quand on a tous ces chemins que je fais au moins deux, trois fois par semaine, on ne sait plus si on est sur Laringe, Vinzy et Saint-Paul. Et ça remet les choses à leur place et ça devrait nous donner un peu plus d'humilité quand on est autour de notre table à se partager des choses communes où chacun essaie de dire dans son sens. Et je disais encore un moment mardi, je crois qu'il nous faudrait trois vies pour arriver à ne pas passer deux fois au même endroit dans tous les chemins de notre beau pays des Liens. Hein. Donc merci de continuer à faire des ponts. Nous, on s'est battu pour les faire sur le littoral, on va encore continuer à en faire. Je sais pas si tout à l'heure on en parlait, on est arrivé à faire nos 3 km le long du littoral. Il faut continuer, ça relie aussi les gens, puis ça fait découvrir ce superbe endroit. Je l'ai dit le soir du 27e BCA, comme on est entre nous. C'est ouais. Certainement le plus beau département de France. Donc, on va le garder beau. Voilà.